Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 12 de La Malédiction des Pharaons, DLC d'Assassin's Creed Origins. Nous sommes toujours dans Laton, c'est le nom de ce lieu en l'honneur de Laton, le seul dieu qui a été vénéré par l'ancien pharaon Akhenaton. Et nous devons détruire tous les symboles qui représentent ce faux dieu aux yeux de Bayek et aux yeux de tous les autres dieux d'Égypte. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas joué parce que j'ai eu pas mal de pépins techniques, enfin j'ai pas eu pas mal de contretemps avant de faire cet épisode. Notamment, j'ai la télé qui est tombée en panne, donc j'en ai une autre, hein. Maintenant c'est bon, y a pas de problème. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, principalement c'était ça, hein, qui me bloquait, c'était tout simplement le manque de télévision et du coup le manque de matériel pour tout simplement enregistrer sur console. Alors j'ai pu enregistrer une petite vidéo quand même en réquisitionnant la télévision du salon lorsque j'étais seul à la maison. Mais voilà, c'est essentiellement ça. Puis entre temps j'ai fait d'autres trucs. J'ai travaillé sur d'autres vidéos, notamment une que j'ai avancée très lentement, qui était donc sur une autre série qu'Assassin's Creed. Donc une vidéo un petit peu plus complexe à produire que les simples let's play. Et c'était assez cool quand même. Mais bon, maintenant, on est de retour dans Assassin's Creed. Et on va quand même finir cette mission parce que ça fait 3 épisodes qu'on est dessus. Je me suis, il est vrai, un petit peu laissé émerveiller par ce lieu. Je l'ai un petit peu exploré, notamment dans l'épisode précédent. Mais du coup, on a bientôt fini tout ce qu'il y avait à faire dans ce lieu. Et je reconnais cet endroit-là. Il y avait des crocodiles par là. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir finir tout ce qu'il y a à faire dans ce lieu, dans cet épisode. Il y a encore peut-être quelques trésors à les piller, quelques lieux à découvrir. Mais dans l'ensemble, on a fait un très bon travail. On a donc le dernier symbole à détruire, ce qui va nous permettre, j'imagine, d'inciter Akhenaton à sortir pour nous affronter, et on va faire comme Nefertiti, on va lui casser la figure. Si possible. Il est vrai que je n'ai point le droit d'être ici. Ah, j'ai tenté une parade, ça n'a pas fonctionné. Voilà, il faut se remettre un petit peu dans le bain. Hein. Voilà, en plus son attaque est pas super conventionnelle, je trouve. Attaque tournoyante, c'est un petit peu spécial. Ah non, il casse directement ma garde. Ouais non, il est quand même pas si facile que ça à parer. Mais bon, c'est pas très grave. Boum, voilà. Ça, au moins, c'est efficace. Bon, autre chose qui est très efficace. Les fameuses et très peu utilisées fléchettes soporifiques. Ça résout pas mal de problèmes. Avec un seul ennemi, ça équivaut à une mort en un seul coup. Sympa la pause. Par contre, le trésor, oui. Ah. On va se planquer un petit peu quand même parce que c'est pas génial ce que je suis en train de faire. C'est pas très pro. En tant qu'assassin, c'est pas très discret. Ah bah, le voilà le trésor, parfait. Ah mais non, il y en a plusieurs. Bon, c'est pas très grave. Discret ou pas, j'arrive. Je vais piller votre trésor, messieurs. Maintenant. Bien visé. Et toi, je t'avais pas vu. C'est bon, il ne voit pas son pote faire la sieste. Bon, c'est vrai qu'ils étaient un peu nombreux. J'avoue. Ah oui. Oui, effectivement, ils sont un peu nombreux. Oui, je m'attaque d'abord à ceux qui sont endormis. Bon. Wow! Alors, c'est pas du tout celui-là que je visais. Mais c'est pas grave. Vas-y, attaque! La très mauvaise tentative de parade. Allez, on se concentre. Pas mal. Plutôt efficace comme attaque. Voilà, c'est bon. On s'y retrouve, y a pas de problème. Ah bah. Toi, tu m'as perdu de vue. Toi! Non, Kev, c'est pas bon. Bon, tant pis. Je vais pas mourir bêtement quand même. Bon.
On va tenter d'être un peu plus discret parce que pour l'instant c'est du travail de sagouin. Alors, deuxième trésor du grand temple de la Tonne. Ici, d'accord. Ah, je l'avais déjà repéré en fait. Ouais, d'accord. Par contre, ouais, ce serait pas mal que je... que je marque son emplacement. Voilà, parfait. Et on est parti. Bon, lui, il va constater le décès de ses potes. Le temps qu'il en finisse, on a largement le temps de s'éclipser. Et en plus, normalement, on est... voilà, on est... pas embêté ici. Parfait. Donc ça, c'est fait. Lieu terminé. Aucun problème. Il y a d'autres trésors par là. Mais il faut pas que ce soit trop loin par rapport à mon objectif de mission. On va d'abord... on va privilégier l'objectif de mission quand même. Youp. Voilà. Tu t'endors trop lentement. Non, c'est bon, c'est un civil. Ah, il y a aussi une quête secondaire, tiens. Oups. Ouais, bon, j'étais peut-être trop loin, j'imagine. Chambre de réflexion. Il y a des trésors ici, d'accord. Bon, bah très bien, on va faire ça. Il y a une quête secondaire qui est pas loin, on va peut-être pouvoir la faire dans la foulée. Mais juste après l'objectif principal. Nous devons quand même garder un certain sens des priorités. Premier trésor, c'est fait. Et on va prendre un petit peu de hauteur. C'est ce qui semble être le plus raisonnable à chaque fois. Et tâchons d'être discrets. Pour l'instant, personne, je dis bien personne, chut, ne nous a vu pour l'instant. Discrétion totale. Zéro détection de l'ennemi. Donc ils me disent qu'il y a un trésor dans les parages, d'accord, mais il est ici plus précisément. Et la sphère est juste là. Bien protégée. Mais il y a du peuple ici, donc il y a... ouais, j'ai l'impression que la densité de garde n'est pas énorme. Donc ils sont parfaitement gérables. Donc, devrait pas y avoir trop de problèmes. Ah, bon. C'est pas exactement ce que je cherchais à faire. C'était un peu minable. Mais tout va bien. Faisons un petit peu de repérage. Ah, ouais. Bon, ça dépend de la zone dans laquelle on va. Hein. La fameuse densité des gardes. Donc on va éviter ce coin-là, très clairement. Et on va se concentrer sur celui-là. Pour l'instant, je vais économiser mes flèches. Hop là. C'était pas du tout discret. Allez. Ah, oui, d'accord. C'est là que tout s'achève, au temple. Et on n'est même pas très loin, c'est parfait. Un seul rayon. D'accord. On a juste quelque chose à aller voir, il y a peut-être une stèle dans le secteur, ça ne m'étonnerait pas. On a juste un petit trésor à piller, pardonnez-moi messieurs. Une massue. Qu'est-ce que des gens comme vous qui travaillez dans un bureau faites avec une massue dans un coffre ? Pour se défendre peut-être, mais ce sont pas des... oh. Ce ne sont pas des combattants. Ouais, d'accord. Ça, c'est un truc qu'on va éviter, d'accord. On va juste découvrir le lieu et on va se barrer. Le jardin de Serquette. Oui, bah on va la laisser tranquille, Serquette. Hein. Il y a d'autres trucs à explorer, mais on va se concentrer d'abord sur l'objectif principal. Après, éventuellement, on va faire d'autres trucs. Et ouais, il n'y a pas de...
n'y a pas de déplacement rapide. Hein. Il y a juste ici. Il y a aussi là. Mais sinon, pour se balader dans ce lieu, c'est quand même assez compliqué. Bon, c'est pas très grave. On verra bien. Rejoindre le trône d'Akhenaton. Le boss final de ce lieu. J'ai la voix très légèrement rouée à cause de quelques allergies, mais pour l'instant ça va. On va rendre ce combat épique. Oups. Aïe, les chevilles. Bayek qui boitille en courant. Ah, nec. Mais c'est bon, ça va mieux. C'est comme les... C'est comme les FPS modernes. Modernes, enfin non. Comme certains FPS, Call of Duty par exemple. Genre, on respire un petit peu, puis ça va, ça guérit toutes les blessures. Ah. J'aurais pu entrer par... Ouais, allez, la porte principale, on va faire les choses en grand. Allez. Un petit peu de mise en scène quand même. Un petit peu de mise en scène. Non, trop loin. D'accord, je pensais qu'on pouvait atterrir sur le sur l'étoile. Ouais, elles sont tellement fines, ça m'étonne pas qu'on puisse se poser dessus. Bon. Ah, voici donc le trône d'Akhenaton. Ouais, je pense que la dent de Sobek est l'une des armes les plus adaptées à ce genre de combat. Par la lumière de Ré. À nous deux, mauvais souverains. Alors, le truc avec ces momies, si je dis pas de bêtises, c'est qu'elles attaquent très souvent. Donc, il faut bien les étudier. Ok. Ok. Des mouvements amples. Fluides. Ok, ça ne fonctionne pas. Je l'étudie, hein. Je l'étudie un petit peu. Je suis convaincu que... Que c'est pas une bonne idée de tenter des parades. Ok. Ça annonce la couleur. Alors, il a contré mon attaque spéciale. Est-ce que c'est parce que j'ai attaqué au moment où il attaquait ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il est insensible à ce genre d'attaque? C'est là que tout s'achève. Au temple. On va voir ça. On va voir ça. Ça va pas être si simple. Pardon. Ouais, j'ai l'impression que ça va pas être simple du tout. Donc on va tenter. On va le laisser faire son enchaînement. Ok, ok. À moins qu'on ne puisse pas faire de parade lorsque la lame brille en rouge. Mais elle brille tout le temps en rouge, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Au moins, le bouclier permet effectivement d'arrêter... Ses attaques. Hop, il a commis une erreur. On en profite un petit peu. Petit coup gratuit. Non, effectivement, j'avais pas attaqué au bon moment tout à l'heure. Donc on peut effectivement, si on le souhaite, placer des attaques. Je tente des parades, hein, mais ça passe pas. Non, je me demande si c'est possible en fait. Pourtant, je fais de mon mieux, hein, je peux vous le garantir. Ça va pas être simple, hein. Bon, je pense que les esquives ont l'air pas si mal que ça, parce que si les parades sont possibles, en tout cas, elles ont pas l'air très simples. En tout cas, trop compliqué pour moi.
Même s'il est vrai que j'ai pu m'améliorer au cours du temps. Ouais, c'est ça qui va être pénible. Il attaque très souvent. Ça laisse assez, ouais, ça laisse peu de temps pour attaquer. On a très peu d'ouverture. Sauf quand il fait son attaque au ras du sol. Là. Bon, cela dit, attendez. Non. Non mais... T'as compris ce que je veux te... Voilà. Vous voyez qui comprend que je veux changer d'arme de lancer. Wow. Ouais, donc j'ai attaqué trop tôt là. Pas facile à dompter la bête, hein. C'est quand même dingue, hein. C'est à chaque fois que je fais une petite pause, en quelque sorte, dans Assassin's Creed, que je dois affronter un boss méga super balèze. Pour se remettre en jambe, c'est un petit peu violent quand même. Allez, à nous deux. Faux pharaon. Avec ton faux dieu. Voilà. À moins qu'on opte pour une arme un petit peu plus rapide. Parce qu'il est lent aussi, hein. Faut pas négliger ça non plus. Ok. Donc les esquives ont l'air pas mal. C'est une approche qui semble quand même... Il recommence son combo là, non? Faut rester plutôt proche. Ouais, il a l'air d'avoir recommencé là. Faut rester au contact. Oh là là! Ah, j'ai été trop gourmand. J'ai été beaucoup trop gourmand. Donc, d'après ce que j'ai compris, Nefertiti, c'était plus un boss qu'il fallait parer, tandis que Akhenaton est un boss qu'il faudrait plus esquiver. Il faut rester au contact, c'est ça la difficulté. Oh bah oui, bah j'ai esquivé en plein sur lui, en plein sur son épée. C'était pas très malin de ma part. Donc reste au contact. Sauf qu'il fait des attaques quand même qui balayent une surface assez grande. Donc toujours esquiver dans le même sens, ouais, tout simplement. C'est tout bête. Ouais, non, en fait, on peut pas placer tant d'attaques que ça, hein, c'est pas possible. Tiens. Oula. Ouais, en plus, avoir le bouclier levé, ça reste extrêmement utile. Il est compliqué, ce bonhomme, hein. Ouais, bon, toi, tu vas te calmer. Tu commences un petit peu à me courir sur le système. Ok, il a changé de phase. Attention, attention. Il a l'air un peu plus rapide. Wow. C'est pas un combat hyper passionnant, je vous avoue. D'autant plus que ses capacités physiques ont l'air beaucoup plus importantes que les miennes. Je tente des trucs, mais c'est pas raisonnable, ouais. Je suis trop gourmand, là. On va s'éloigner. Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Fais attention. J'ai l'impression qu'il va réduire la zone de combat. Bon, moi, je veux pas me priver, hein, de l'artiller. Tiens, j'ai pas testé ce que ça donnait si je m'éloignais vraiment beaucoup de lui. Est-ce qu'il fait des charges? Non, il se déplace très très vite, hein, donc ça va pas être forcément très utile. C'est juste quand il attaque qu'il reste sur place. Il se rapproche et c'est tout. Pas facile le bestiau, tiens. Non, il n'avait pas refait ses... Ouf. Là, je vous avoue que je suis un peu perplexe.
Bon bah, hé. On va prendre les méthodes. On va utiliser les méthodes qui fonctionnent. Hein. La distance et les attaques spéciales. Parce que bon, c'est aussi une méthode qui a fait ses preuves. Oh, hey! Attendez, c'est quoi cet arc? Santé atteinte. Ah oui, juste quand je touche un ennemi, je gagne de la santé. Bah ça, c'est pratique. Je vais pas trop gaspiller mes flèches dans ce cas-là. Je vais m'en servir pour me soigner. Très utile hein, d'avoir ce genre d'arme dans ces combats. Hop là, voilà, un petit coup comme ça. Attention au timing, qui était pas terrible quand même pour attaquer. Ok. Non mais il est incroyable. Il est incroyable, il est tellement puissant. Donc là, la distance. Vas-y, attaque. Là, ce que je fais, c'est que j'attends que ma santé revienne au palier. Et boum! Deuxième palier atteint, avec une petite flèche. La patience, mes amis, la patience. Alors par contre, si je me fais tuer, je suis dégoûté, hein, ça c'est sûr. D'autant plus que ma barre de furie augmente. Elle se remplit. Je le cible même pas en plus. Et boum. N'empêche, je heurte très souvent ces parties sensibles. Bon, je dois avoir aussi un bonus avec la dent de Sobek, j'ai l'impression. En cas de coup critique. Ah non, le truc de la dent de Sobek, c'est que les attaques puissantes sont chargées instantanément. Plutôt les attaques chargées le sont instantanément. Et une attaque. Bon, une attaque puissante, ça ne fait rien, ça ne le déstabilise pas. Ton bouclier, voilà. Lève ton bouclier, Bayek. J'ai pas complètement tort, hein. C'est vrai qu'il est pas très rapide pour attaquer. Du coup, c'est. C'est l'occasion idéale de trouver une ouverture pour l'attaquer. Voilà, hop. Hop. Bon, jusqu'à présent, mes méthodes fonctionnent, hein, donc je vais pas non plus tenter le diable avec des théories foireuses. Voilà, un petit coup. Ouh, ce coup d'estoc m'a l'air particulièrement dangereux. Mince. Bon, j'ai largement de quoi me refaire une petite santé. À chaque fois, je pense avoir le temps, mais en fait, non. Hein. Pour l'instant, tout va bien. Y a pas de raison de paniquer. Oui, cette esquive était limite. Oh, j'ai cru que j'allais me faire avoir. Mais ça va, y a pas de problème. Alors, à l'instant même... Qu'est-ce que je fais? Je le finis à l'arc comme un... Comme un gros filou. Je peux, hein. On me laisse changer d'arc. Je vais faire ça, hein. Au fusil à pompe. L'arc fusil à pompe. Le grand dieu meurt. Et la tonne est repris par son successeur. A-t-il été un dieu ou un simple mortel? Oh, le vivant. Épée incurvée. Et niveau 51, yay! Eh ouais, ça donne beaucoup d'expérience de tuer un ancien pharaon égyptien.
Un mauvais de surcroît. On doit donc parler à Isidora, la grande prêtresse d'Amon, pour lui faire notre rapport. Ok, parfait. Bon, on va quand même voir ce que c'est que ce truc. Alors, grâce venimeuse, ça c'est l'arme que j'ai réussi à avoir de Nefertiti. Et le vivant, charge instantanée, bah c'est très bien. C'est donc une épée incurvée légendaire. Hémorragie atteinte, régénération d'adrénaline. Ok, pas mal du tout, pas mal du tout. Du coup, juste. Hémorragie atteinte. Donc 20% de probabilité pour cette épée-là d'infliger saignement. Hémorragie, du coup. Parfait, parfait, parfait. Laton est donc bel et bien mort cette fois-ci. Bon, on a quand même achevé Akhenaton avec un coup dans les parties intimes. Franchement, parfait. Pour conclure une telle rivalité entre un Égyptien, un vrai Égyptien qui vénère les vrais dieux et un pharaon qui vénérait un faux dieu, je pense que c'est absolument parfait. On lui apprend les bonnes manières. Oh. Non! Qu'est-ce que... Allez, meurs, 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 meurs! Ouh! J'avais pas beaucoup utilisé les épées incurvées jusqu'à présent. C'était peut-être une erreur, tiens. Alors maintenant, on va peut-être se concentrer d'abord sur la fin de ce lieu. Alors, évidemment, on va pas finir ça dans l'épisode. J'étais un petit peu trop optimiste, j'aurais dû me douter qu'il allait y avoir un combat de boss qui allait me demander pas mal de temps. On va peut-être aller voir du côté de la quête secondaire. Parce qu'il est possible qu'elle nous amène dans des lieux qu'on n'a pas encore explorés. Du coup, on pourrait faire d'une pierre deux coups. Ce serait pas mal. Alors ça, c'est absolument gratuit. C'est juste pour le plaisir. Boum. Ouais. Ou alors, est-ce que j'explore d'abord un tout petit peu et je commence la quête secondaire dans l'épisode prochain? Peut-être faire ça, tiens. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, tiens, tiens. Attendez, il y a un truc qui m'intrigue là-bas. J'ai pas été malin. J'ai pas été malin du tout. Mais bon, heureusement que l'arme est très puissante. Chasse les écailles de mes yeux! Ne les prends pas. Attaque. Oh, rapide. Et voilà comment tu meurs. Enseignant, tout simplement. Ne les prends pas. Elles sont mon seul réconfort. Ne t'inquiète pas, homme. Je t'aiderai bientôt, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y en a plusieurs en plus. Alors, est-ce que c'est juste esthétique ou est-ce que c'est pour une raison particulière qu'il brille ainsi? Bon, j'ai l'impression que c'est juste esthétique. Alors concrètement, bah j'ai des trucs à voir moi là, par là. Attendez. Ah bah c'est parfait en fait. On va pouvoir faire les points d'interrogation et faire l'autre quête dans la foulée. La petite quête secondaire. On va d'abord voir ce qu'il y a sur cette plateforme. Porte Est. Une stèle, tout simplement. Avec peut-être des gardes dans le coin, non? Alors la stèle qui se trouve ici. Ok. Je vais faire un peu de tourisme hein, avant de partir, évidemment. Parce que même si ce lieu est un lieu faux, il n'en est pas moins très joli. Ou plutôt un lieu qui vénère un faux dieu, tout simplement. Un nouvel horizon. Akhenaton, lui dont la connaissance divine en appelle à sa grande épouse Nefertiti. Nous ne devons plus rester sans voix. Nous allons faire tomber les vieux murs et bâtir une nouvelle cité dédiée au dieu unique.
Cette cité n'a plus de raison d'être. Sauf si c'est pour une résidence secondaire. Pour Bayek, évidemment. Petit lieu de vacances, hein, voilà. Le Medjay part en vacances dans un monde divin. Ouais, la modestie est pas trop là quand même. Hein. Bon, on va quand même finir ce lieu, je pense, de fond en comble lors du prochain épisode et on ira retourner auprès d'Isidora si on a le temps dans le prochain épisode. Sinon, ce sera dans l'épisode d'après. En tout cas, on se retrouve bientôt pour l'épisode 13 du DLC La Malédiction des Pharaons dans Assassin's Creed Origins. Salut tout le monde, à la prochaine!